Ma présentation suivante, donc c'est Abdessalem Guedira qui va nous parler d'un élément de formation, alors autour de la sleeve gastrectomie et la voie d'abord du trocar unique. Abdessalem qui a travaillé dans l'équipe à l'Institut. Voilà, je te laisse la parole. Donc, Guillaume, je partage mon écran. C'est bon ? Vous voyez mon écran, c'est bon ? Oui, très bien, tout, c'est parfait. Alors, je tiens tout d'abord à vous remercier du Boucher de m'avoir associé à ce travail, et la Fouco Jeune et l'Académie de me permettre de vous présenter dans cette séance. Je suis vraiment honoré. Je vais vous parler d'évaluation de l'apprentissage par réalité virtuelle chez Chimina Invasive, en prenant l'exemple de la type d'acrétomie par programmique, et pour introduire le sujet, comme l'a très bien fait le docteur Cochot au début de la séance, l'obésité est désormais considérée comme pratique. En effet, c'est une véritable pandémie avec une mobilité mentale importante, faisant d'elle un enjeu majeur de santé publique, mais la chirurgie a révolutionné la prise en charge de cette maladie et a permis de transformer son pratique comme notre cas dans cette publication du docteur Jérémy Théron, dont il est neuf dans le lancement. Pour le trocar unique, il s'agit d'une nouvelle voie d'abord, et c'est clairement pour nous l'évolution naturelle de la langue. En effet, la faisabilité et la sécurité de la cybercomie par trocar unique a été clairement définie. Au jour d'aujourd'hui, c'est une procédure minimale et standardisée qui nécessite une cour d'apprentissage par l'introduit de nouvelles notions principales qu'il faut savoir aussi. Tout d'abord, la notion d'espace par étapes, car on introduit des instruments dans le même orifice, ce qui peut être peut-être l'origine de Ensuite, le routeur chirurgical peut représenter un avantage dans cette situation où l'on travaille dans un espace étroit. C'est pour cette raison qu'il faut utiliser des instruments adaptés à cette technique, notamment l'espace de l'autotour et là, et l'outil flexible pour permettre de maintenir une bonne translation. Seulement, la bonne maîtrise de ces instruments nécessite un apprentissage, tant pour les chirurgiens que pour les docteurs. Et en parlant d'apprentissage, mon compagnonnage a toujours été à la base en chirurgie. Ce modèle était particulièrement adapté à la chirurgie. Néanmoins, comme pour la laparoscopie, la nouvelle voie d'abord, le trocar unique, requiert une adaptation aux nouvelles exigences techniques, sans oublier la dimension éthique. Car même si nous sommes dans une phase de transition, il n'est plus concevable aujourd'hui de pratiquer une intervention avec une nouvelle technique pour la première fois sur un patient. Et c'est là que la réalité virtuelle trouve son intérêt. À l'instar de plusieurs disciplines, arrive peut-être la grosse, où on a bien décomposé et décortiqué les 5 points essentiels d'un bon apprentissage. Et ces 5 points sont parfaitement transposables à la chirurgie. On sait tous que le chirurgien doit connaître les différents points de la procédure chirurgicale, doit avoir une capacité gestuelle, maîtriser son matériel, et doit avoir une capacité de prise de décision avec une bonne évaluation. Pour développer notre modèle, l'enjeu était de mettre l'apprenant dans une situation simulée, lui permettant de se positionner dans un environnement du laboratoire, d'interagir avec ses différents dispositifs et surtout de retrouver une modélisation introduite. Nous avons donc intégré dans un petit casque de réalité virtuelle l'intelligence artificielle, de la réalité anatomique, ainsi que de l'environnement et des dispositifs, le but étant de transférer le savoir afin de progresser. Voici donc une petite vidéo qui devait faire l'instant. Cette vidéo présente ce que peut voir maintenant dans le test de réalité virtuelle. Ceux qui connaissent reconnaîtront le bloc de l'IML du système en reproduit avec une immersion ultra-réaliste en trois dimensions et même la possibilité d'interagir avec les dispositifs et leurs différentes fonctionnalités. C'est vrai qu'on voit bien les mouvements des instruments sur la vidéo, ouais, qui sont reproduits.
L'apprenant a également la possibilité d'interagir avec son environnement dans le bloc opératoire. Il peut par exemple, rien qu'en dirigeant son regard, changer d'angle de vue ou même modifier le calibrage. Il sollicite le tout de calibration rien qu'en dirigeant son regard. Alors, un des points forts du simulateur également, c'est le dispositif tactique. Car, comme vous le voyez, on utilise des vrais instruments pour l'entraînement, des vrais instruments qu'on utilise pour la chute. Nous avons donc réalisé une étude de prothèse randomisée monocentrique à laquelle 10 internes en chirurgie en clinicité et le 9e semestre ont participé. Aucun n'avait réalisé auparavant une cystectomie par trompe unique. Ils ont été répartis en deux groupes, le groupe B et le groupe contrôle. Chaque interne a participé à deux cystectomies monocentriques en patient réel et en premier opératoire sur le plan de l'agrafage, sous la supervision bien sûr d'un chirurgien expérimenté. Ces deux interventions étaient en réalité un pré-test et un post-test séparés par un interval d'un mois, durant lequel les internes du groupe VR se sont entraînés sur le simulateur. Après chaque session, chaque interne répondait à des questionnaires d'ergonomie et de psychologie cognitive, et les internes du groupe VR ont également rempli des questionnaires sur la qualité de l'environnement virtuel et l'utilisation du simulateur. Une chose très importante, c'est que chaque apprenant était équipé d'une caméra frontale et était filmé de l'extérieur afin de pouvoir analyser son comportement et ses réactions. La fréquence cardiaque était également prélevée pendant des procédures afin d'essayer d'évaluer le stress. Nous avons donc pu répondre aux objectifs de l'étude car nous avons pu comparer la charge mentale des deux groupes qui étaient statistiquement moindres dans le groupe VR lors du post-test. Et nous avons également observé une diminution de l'effort psychonique et de l'inconfort postural entre le pré-test et le post-test au sein du groupe R. En ce qui concerne l'évaluation de l'environnement des différents dispositifs virtuels, les participants ont rapporté une parfaite adaptation avec l'excellent corps pour contrôler le réalisme ainsi que la qualité de l'interface. Le retour de force était le seul point rapporté comme étant non satisfaisant et reste à développer dans les prochaines années. Face à des résultats largement en faveur de l'apprentissage par la réalité virtuelle, il est important notamment de relever les différents limites de l'étude, tels que l'échantillon très petit des participants. En effet, on considère que notre travail est une étude pilote et nous encourageons notre étude à plus large échelle afin de conforter nos résultats. Une deuxième limite était l'absence de formation de discussion pour le bon contrat. En réalité, nous avons comparé l'entraînement sur le simulateur de réalité virtuelle à pas de d'entraînement fou, ce qui ne permet pas de tirer des conclusions définitives quant à la supériorité de cette méthode par rapport à d'autres. Néanmoins, nous avons pu démontrer l'intérêt de cette méthode dans la réduction de la charge mentale et physique au sein du groupe VR humain. La troisième limite était l'absence de standardisation des cas réels, ce qui pouvait être responsable de difficultés liées aux patients, par exemple, à l'origine de certains scores élevés pour le groupe. Mais afin d'essayer de pallier ces limites, nous sommes en train de réaliser une analyse plus approfondie des différentes vidéos enregistrées des participants afin d'étudier leur performance technique et cognitive de façon plus objective. Pour conclure, nous pouvons dire que la solution basée sur la réalité virtuelle de la cystectomie intra-abdominique permettait d'améliorer la pratique chirurgicale et de réduire la charge de travail physique, mentale et le stress de cerveau. Cette diapositive, c'est pour vous dire que cette étude a fait l'objet d'une publication scientifique en 2019 dans le journal Prothèses et Chirurgie. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Salem. Voilà, je ne sais pas s'il y a des petites questions, des remarques sur. C'est vrai qu'en plus, on a beaucoup discuté ce matin à l'Académie de la formation et de ses enjeux. Un des intérêts à ce type de modèle, alors après, c'est surtout sa maniabilité et son faible coût. Parce qu'on sait bien, ça fait longtemps qu'on travaille sur la chirurgie robotique, hein, les simulateurs qui sont assez performants, hein, puisqu'ils simulent la position des chirurgiens de façon très très reproductible puisqu'on est dans les mêmes conditions, mais il y a un coût qui est très élevé à toutes ces simulateurs, alors que notamment, vous l'avez vu, on a travaillé avec une start-up française et le projet était d'avoir quelque chose qui soit facile d'accès.
avec un coût qui était en dessous de 2000 euros par chaque installation, donc ce qui est relativement faible pour pouvoir donner un accès dans les hôpitaux. Donc je crois que c'est un des enjeux de la formation initiale bien sûr, mais à tout niveau, hein, même par ailleurs, de la chirurgie. Voilà, merci beaucoup. En fait, la réalité virtuelle, la vidéo de la réalité virtuelle, c'est une vidéo. Alors, c'est une reconstruction. Alors, c'est vrai qu'on l'a vu, l'anatomie, elle est perfectible, elle n'est pas très très performante, notamment sur la déformation. C'est pas trop mal, c'est encore en train d'évoluer, puisque là, c'est une vidéo qui date déjà un petit peu il y a presque un an maintenant. Mais c'est une reconstruction. Il y a des travaux, notamment basés sur les films, en fait, hein, sur les effets spéciaux qui vont utiliser, on est en train de le développer, une vraie chirurgie. Donc une vraie vidéo chirurgicale sur laquelle on va pouvoir enregistrer beaucoup de mouvements de l'organe et puis les reproduire en fonction du mouvement de l'opérateur. Voilà. Donc il y a des progrès encore. La technologie est en train de sortir, elle va se développer très largement, j'en suis sûr. Et c'est ça qui coûte cher. Alors c'est ça, c'est tout cet investissement recherche qui est très cher. Mais ça, une fois qu'on l'a fait, voilà, c'est-à-dire qu'après le coût matériel, la diffusion, ça va être assez bas, alors qu'aujourd'hui, un simulateur d'anesthésie ou autre, c'est des sommes de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Hein. Ouais. Donc je crois que c'est un des éléments bloquants du développement de la simulation dans l'apprentissage. Hein. C'est la lourdeur, le coût. Je crois qu'il faut vraiment avancer sur ces approches-là. Alors la réalité virtuelle est un élément. Hein. C'est vrai que c'est séduisant. Tout le monde ne le tolère pas aussi bien. Hein. Il y a le mal de mer, entre guillemets, hein, lié à ces images 3D comme ça qui sont projetées directement donc il faut qu'on s'habitue. La nouvelle génération est bien entraînée avec les jeux vidéo et va être très bien habituée, je pense. Mais c'est tout à fait passionnant. Hein. Et puis on peut répéter. C'est-à-dire qu'on va répéter 20 fois. On va vous dire, ah là, vous avez fait 3 mm de décalage par rapport au mouvement typique qu'il faut faire en moyenne. Donc on va avoir un niveau d'excellence, j'en suis persuadé, qui sera très élevé. Hein. En tous les cas, c'est une étude préliminaire, mais c'est assez passionnant. Voilà. Et la France est bien placée, puisqu'on reste totalement français, et ça, il faut se battre pour ça.